Ici, le but est vraiment de montrer en un temps assez court, puisque la salle immersive, la projection dure 35 minutes, de montrer le Magritte dans sa globalité. Donc on va commencer avec des œuvres abstraites, puis on va passer aux œuvres des années 20, qui sont des œuvres assez noires, puis on va passer à la période dite des infinités électives, où Magritte commence à rendre les objets du quotidien bouleversants. Et puis pendant la guerre, où il est impressionniste, et où là, il y a une effusion de couleurs, des fleurs, des sirènes, des licornes presque. Et puis il y a une petite parenthèse assez amusante qui est ma période préférée, la période vache. Et puis à la fin, on conclut avec le Magritte qu'on connaît tous, dont celui qui peint les fameuses pommes sur les visages d'un homme, etc. Donc c'est une manière, disons, à la fois courte, mais très amusante, avec de la musique, dans un espace gigantesque, de découvrir l'œuvre. C'est une manière aussi de vivre l'expérience autrement, parce que comme dans un musée, vous savez, vous devez observer l'œuvre en silence, de manière individuelle. Donc c'est plus de l'ordre de la contemplation. Ici, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez vous coucher sur le sol. Donc il y a une certaine liberté pour appréhender l'œuvre de Magritte qui n'est pas la même, évidemment, dans un musée. Mais encore une fois, l'objectif ici, c'est d'offrir aux gens qui connaissent Magritte une manière de voir Magritte autrement et d'offrir à ceux qui ne connaissent pas Magritte une introduction pour qu'ils aillent après pousser les portes du musée et observer les œuvres de Magritte en chair et en os, ce qui évidemment est une expérience sans pareil. La sua famosa frase, questa non è una pipa, ci serve a noi, evidentemente rappresentando una pipa reale, ci aiuta a noi a definire questa non una mostra, perché non abbiamo alcun quadro vero di Magritte, quelli dovete andare a Bruxelles, dovete andare nelle varie mostre in giro per il mondo, ma qui vedrete 160 opere di Magritte tutte insieme raccontate attraverso l'uso del digitale e quindi della motion graphic, della grafica animata, della videoproiezione. Quindi, come dire, leviamo da un certo punto di vista la materia pittorica dall'esperienza che facciamo fare al visitatore, ma aggiungiamo, secondo me, una materia fondamentale che è la luce, perché attraverso la videoproiezione e la luce ricreiamo dei mondi, e attraverso la musica è uno storytelling che fa avvicinare più forse al cinema o al teatro immersivo o all'opera questo tipo di esperienze rispetto a una mostra tradizionale. Avec l'utilisation de la technologie dans le cas précis de Magritte, c'est que ça apporte un petit plus puisque ça montre les coulisses du peintre, à savoir que Magritte a développé toute une série de trucs pour rendre les objets du quotidien bouleversants, donc les métamorphoses, les changements d'échelle, les transformations d'objets en pierre, et tout ça, ce sont des choses qu'on peut montrer ici à l'écran, puisque par exemple, Magritte a peint une œuvre qui s'appelle La magie noire, qui représente sa femme Georgette nue, et son corps se transforme en bleu du ciel, et donc c'est quelque chose qu'on peut montrer ici grâce à la technologie. De nouveau, si vous prenez la pomme qui occupe tout l'espace dans une pièce, vous pouvez aussi agrandir la pomme. Donc le public va pouvoir comprendre les trucs que Magritte a utilisés grâce à la technologie. Je ne crois pas que Magritte serait malheureux, dans le sens où, vous savez, Magritte, tout ce qui comptait pour lui, c'était l'image. Il disait même qu'il n'allait pas au musée parce que ça l'ennuyait. Il appréciait des œuvres d'art produites sur des cartes postales. Donc, je ne suis pas en train du tout de dire que, voilà,
de nouveau que ça remplace une exposition traditionnelle. Mais je pense que Magritte aurait pu s'amuser dans ce genre d'exposition.